sénateur. Nous allons nous poser sur Coruscant. Très bien, lieutenant. On y est arrivé. J'ai eu tort de revenir. Ce vote est très important. Alors venez. Il s'est passé quelque chose. Enfin, je sais qu'il s'est passé quelque chose. Les vaisseaux n'explosent pas. Je me sens... responsable. Vous avez fait votre devoir, tout comme elle. Maintenant, prenons une navette jusqu'au Sénat. Nous sommes un service de taxi droïde indépendant. Pas d'avenir, pas de chauffeur, pas de problème. Ah, sénatrice, nous avons appris l'explosion qui a eu lieu sur la plateforme. Quel soulagement de voir ces vaisseaux. Sénatrice Amidala, cette tragédie sur la plateforme, épouvantable. Le comte Dooku a fomenté cet attentat. Le comte Dooku était un Jedi. Ce n'est pas un assassin. Maître Jedi, je propose que la sénatrice soit placée sous la protection de vos excellences. Peut-être quelqu'un que vous connaissez. Annie ? C'est fou comme tu as grandi. Vous aussi. Enfin, vous êtes encore plus belle. Bien, maintenant que les retrouvailles sont terminées, laissez-nous vous escorter jusqu'à vos quartiers, sénatrice. Merci, maître Kenobi. Mais ce ne sera pas nécessaire. Ce sont des réponses qu'il nous faut. Je dois savoir qui cherche à m'éliminer. Nous sommes là pour vous protéger, sénatrice. Et non pas pour enquêter. Nous les rechercherons, Padmé. Je vous le promets. Notre mandat ne le prévoit pas, mon jeune Padawan. Je ne pensais qu'à mieux assurer sa sécurité, maître. Peut-être que votre seule présence suffira à comprendre tout ce qui entoure ce mystère. Encore loin, maître. La compagnie de Padmé et la mienne t'ennuie déjà, jeune Padawan? Non, bien sûr que non, maître. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Nous y sommes presque. Mes appartements sont juste là. Nous y voilà. Allons-y. Merci de m'avoir escorté jusqu'ici. Maintenant, si vous le permettez, je vais me retirer. Oh!
La voilà. Surtout ne la laisse pas s'échapper. Et attention quand tu tires. Il y a des civils partout. Nous allons l'arrêter, maître. Je vous le promets. Super. Mais si on pouvait éviter de mourir avant, ça m'arrangerait. Qu'attendez-vous, maître? Je suis un pilote hors pair. Tu as encore beaucoup à apprendre sur plein de choses, mon jeune apprenti. Et voler fait partie de cet enseignement. Regarde où tu tires, Anakin. Est-ce que tu ne serais pas devenu fou, Anakin? Arrête de tirer, Anakin. Fais attention à ce coupleur d'énergie. Quoi dois-je te dire d'éviter les coupleurs d'énergie? Encore une fois, on dirait. Devant. Elle est entrée dans ce tunnel. On la tient presque. Anakin. Alors, est-ce que je m'améliore, maître? Bien, je suis encore vivant, c'est déjà ça. Qui t'a engagé? Un chasseur de primes du nom de...
Une pointe empoisonnée. Ah. On va devoir se séparer. Raccompagne la sénatrice Amidala sur Naboo. Elle y sera plus en sécurité. Bien, maître. R4, tu vas pouvoir me rendre un service. Un vieil ami qui tient un restaurant près d'ici reconnaîtra peut-être cet objet. Pour voir s'il saura nous dire quelque chose sur cette pointe, d'accord? On se calme. J'arrive. Voilà Dex. Voyons voir quel est le problème. Tu tombes mal, malheureusement. Ma meilleure serveuse Vanda a pété un câble et je me retrouve avec tous ses clients sur les bras. Tu penses que tu pourrais aider un vieil ami en apportant les commandes des clients? Il faut que je répare Vanda. Quand on aura terminé, on pourra discuter. Qu'est-ce que t'en dis? Super! Il te suffit de prendre les commandes des clients et de leur apporter. Si un droïde en est capable, je suis sûr que c'est à la portée d'un Jedi, hein? Mon 4-quarts, il est bientôt prêt, parce que j'en ai même pas vu un quart depuis que je suis arrivé. Parfait! Merci beaucoup! Rien de tel qu'un grand jus de Jawa! Où est passée la serveuse? Rien de tel qu'un grand jus de Jawa! Mon jus de Jawa! Merci. Je peux avoir mon Soda Club Sandwich. Je suis garé en double fil. Ça a l'air délicieux. La prochaine fois, j'irai sur Naboo pour me cuisiner un pilon de Nuna. Je vais me régaler. Quelqu'un a vu mon jus pétillant de photon? Il est vert fluo, vous pouvez pas le manquer. Quelqu'un a vu mon jus pétillant? Mieux vaut tard que jamais. Tout le monde a eu sa commande? Super. Je t'en dois une belle. Et Vanda aussi. Il m'a fallu un peu d'huile de coude, mais elle pourra bientôt se remettre au travail. Ouais.
Alors, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Assieds-toi, je suis à toi dans une minute. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une pointe de Camino. Camino, ça ne me dit rien. C'est dans la République? Non, c'est au-delà de la bordure extérieure. Les Caminoïens vivent entre eux. Ce sont des cloneurs. Des cloneurs. Non, R4. Je ne me souviens pas avoir vu Camino sur les cartes. Allons voir aux archives. Je n'ai jamais entendu parler de Camino non plus. Entrons les coordonnées que Dex nous a données dans les archives Jedi pour voir. Besoin de traverser la planète? Je suis votre droïde. Ça va pas être trop long. Installez-vous confortablement et détendez-vous. Hey! Merci d'avoir voyagé avec nous. Profitez bien de votre visite au quartier fédéral. Quelle est votre destination? Je vous souhaite bon voyage. J'espère que vous ne vous ferez pas attaquer sur la route. D'accord, égal. Entre les données de Dex dans le terminal. D'après Dex, Camino devrait se trouver là. Mais, à ce que je vois, elle n'y est pas. Une planète. Maître Obi-Wan a perdu. C'est ennuyeux. Il n'y a rien ici. La mémoire gravitationnelle demeure. Ah? Très bien. Rends-toi au point de convergence gravitationnelle. Et ta planète, tu trouveras. Mais, Maître Yoda... Qui a pu supprimer des documents archivés? C'est impossible, n'est-ce pas? Seul un Jedi aurait pu effacer ces fichiers. Mais... et pourquoi? Difficile de répondre. Méditez là-dessus, je vais. Mais où est-ce que vous vous croyez?
Nous sommes un service de taxi droïde indépendant. Pas d'avenir, pas de chauffeur. Ça doit être le bon système. Essayons de trouver notre planète disparue. Jedi, je vous attendais. Bienvenue. Après toutes ces années, je craignais que vous ne veniez plus. J'étais attendu ? Bien sûr. Dites à votre maître que sa commande sera honorée dans les délais. 200 000 unités sont prêtes et 1 million en bonne voie. Je suis sûr qu'il sera fier de l'armée que nous avons créée. L'armée ? Oui, une armée de clones. Mais vous devez être impatient d'inspecter ces unités. Par ici, je vous prie. Lorsque mon maître vous a contacté au sujet de cette armée, vous a-t-il dit à qui elle était destinée ? Bien entendu. Maître Sifo-Dyas a commandé cette armée pour la République. Pardon, Maître Sifo-Dyas ? Il a été assassiné il y aura bientôt 10 ans. Je suis navré de l'apprendre. Très impressionnant. J'espérais que vous seriez satisfait. Les clones ont une intelligence créative. Vous verrez qu'ils sont immensément supérieurs aux droïdes. Je suis sûr qu'ils ne parlent pas de toi, R4. Ces clones... Oh oui, nous utilisons la croissance accélérée. Sinon, il faudrait une vie pour amener un clone à maturité. Je vois. Ils sont parfaitement dociles. Ils obéissent à tous les ordres. Nous avons modifié leurs gènes pour les rendre moins indépendants que le sujet d'origine. Et qui était le sujet d'origine ? Un chasseur de primes, Jango Fett. Un chasseur de primes ? J'aimerais rencontrer ce Jango Fett. Je me ferai un plaisir d'arranger ça. Outre ces appointements qui sont considérables, Fett n'a demandé qu'une chose. Un clone non modifié pour son usage exclusif. Curieux, non ? Non modifié ? Son double génétiquement pur. Pas d'altération génétique pour le rendre plus docile, ni de croissance accélérée. Notre système de distribution d'équipements sur tapis roulant est à la pointe de la technologie. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai conçu. J'y ai même inséré un petit bibelot comme cadeau caché pour ceux qui tombent dessus.
Voici la chambre de Django. Voulez-vous le rencontrer? Django, vous êtes de retour. Je vous présente le maître Jedi Obi-Wan Kenobi. Il est venu voir où nous en étions. Vos clones sont très impressionnants. Vous devez être fier. Qui vous a engagé pour ce travail? J'ai été recruté par un certain Tyrannus. L'armée vous plaît? Je suis impatient de l'avoir à l'œuvre. Merci de votre accueil, Django. Toujours un plaisir de rencontrer un Jedi. J'ai l'étrange sentiment que ce chasseur de primes est l'assassin que nous recherchons. Si nos soupçons sont exacts, il voudra partir rapidement d'ici. Allons à la plateforme d'atterrissage la plus proche. Regarde, le Jedi! Boba, monte à bord. Je m'en occupe. Je comprends pourquoi il voulait le cloner. Devons nous dépêcher de les suivre. Allons-y. Les réflexes de la Force ont leur avantage, R4. Nous n'avons pas de temps à perdre. Suivons-le.
Accroche-toi, on va entrer dans le champ d'astéroïdes. Et on a encore quelques surprises pour lui. Tiens-toi prêt. Ça, ça risque de secouer. Tu dois pas être loin. Des missiles à tête chercheuse. Splendide. Sortez d'ici. Tu abuses de ma patience. Facile. J'ai perdu le contrôle. Tu ne te débarrasseras pas de moi comme ça, chasseur de primes. Je ne suis pas là pour jouer à des jeux ridicules. Je t'aime. C'est un gâchis, mes talents. Ah, Anakin aurait adoré ça. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce que tu caches, Jumbo? Qui t'a engagé? Tu es quelque part par ici. Pourquoi ne pas abandonner ? Bouge !
largue les pièces détachées. Il y a une concentration anormale de vaisseaux de la Fédération ici, R4. Avec ces droïdes, la République et les Jedi n'ont aucune chance. Maman, non! Tu as encore fait un cauchemar. Un Jedi ne fait pas de cauchemar. J'ai vu ma mère. Je dois aller à son secours. Je viens avec toi. Comme ça, tu pourras continuer de me protéger. Je ne t'ai jamais vu aussi nerveux. Il y avait beaucoup de sabre dans ton cauchemar. Oui, énormément. Mais ce n'est pas la question. Il faut qu'on aille à Mos Espa. Je dois m'assurer que ma mère va bien.